Eh bien, salut à tous les amis, c'est TikTok, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Je tourne un peu la caméra parce qu'elle m'a l'air d'être un petit peu sale. Donc on se retrouve pour une map aventure nommée, alors je vais vous dire ça tout de suite, donc c'est Clap the Trap si je dis pas de bêtises. Je vais vous dire un petit peu la map, en quoi elle consiste. Donc facecam, ça fait vraiment longtemps que j'en ai plus fait. Donc Clap the Trap, je regarde sur l'écran. Nous ne sommes pas encore en octobre, donc je peux pas m'attaquer à la quatrième édition du Cobblestone Stuff. Mais j'ai trouvé une création à la fois bien fichue et ridicule, exactement comme celle que cette rubrique aime exposer. Mais elle est volontairement ridicule, de même si nous étions en octobre, je serais pas certain de l'utiliser comme sujet. De autant vous l'exploser dans un article habituel. Clap the Trap est une petite surprise réalisée par un certain Death Reapers suite à un pari entre collègues. Faire une map Minecraft en minimum un minimum conséquente et cohérente en 3 jours. Il en ressort une petite map sympathique qui n'a aucune prétention si ce n'est la volonté de vous faire passer un bon moment. Via une histoire cobblestone stuffienne, oulala, et un ton oscillant entre la parodie de Portal et la déclaration d'amour à bord de l'eau. Je sais pas de ce qu'ils disent, hein, clairement. Juste un peu baiser ma caméra, parce qu'en fait, je fais ça vraiment totalement à l'arrache, donc j'ai peur que ça ne soit pas centré, tu vois, j'ai un peu de merde sur la caméra, donc voilà. Il en ressort, ouais voilà, donc ça j'ai déjà dit. L'auteur précise souvent qu'il ne faut pas la prendre au sérieux, mais comme je suis un réalisateur, enfin bref voilà. Du coup ça donnera un ton non sérieux à l'article, donc ça collera mieux à la map. Je suis mentaliste à mes heures perdues, la série. Nous incarnons un type, il ne va pas très bien, ce type il est en prison pour un meurtre qu'il n'a pas compris. Il n'a pas eu de procès, il a juste chopé un matin pendant qu'il lisait Nice Matin dans le bar de JG1. D'un gars, il s'appelle J-J-S, en ne sans rien comprendre. Heureusement que le magistrat en charge de la procédure lui a laissé une lettre qui dit en substance « T'es en prison parce que t'es en prison, il a été décidé, tu seras en prison, enjoy. » À côté de cette même lettre repose une seconde lettre, un rappel au maçon de boucher de tunnel que je boucre précédemment avant creuser pour s'évader. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre parce que j'ai dit un peu n'importe comment. Celui-ci, on l'avait sûrement bazardé là-dedans parce qu'il avait organisé une fête à thème Pokémon. Ouh là là. Évidemment, les maçons étaient trop occupés à être des Portugais stéréotypés. Non, rien fichu, donc vous êtes donc libre de vous glisser dans le gros trou de vos congènes à laisser près du lit à l'image d'un lendemain de soirée difficile. Vous avez trouvé un téléporteur au bout du chemin, votre aventure va alors véritablement commencer. Je sais pas si je vais lire ça, mais... ouais, je vais le dire quand même. Tout n'était que tromperie. En réalité, vous êtes le sujet d'un test d'une IA à peu près timbrée baptisée Clap Trap, qui a bien évidemment pris le contrôle du centre dans lequel elle est installée et passe son temps à vous soumettre à des énigmes. Enfin bref, voilà. L'aventure est globalement simple mais efficace, amusante et distrayante. Voilà. Bon, en gros, le mec qui raconte un peu sa vie, disait un petit peu son avis. Bref. Concentrons-nous sur le vif du sujet, c'est parti. Donc il n'y a pas de pack pour cette map. Cool quoi. Alors, lisez ceci. J'espère que c'est pas le truc que je viens de lire. Vous êtes actuellement emprisonné pour meurtre involontaire. Le tribunal a voté la prison à perpétuité. Involontaire. What? Note pour les maçons, veuillez à reboucher le tunnel derrière le lit de cette cellule avant le... Ok. Ok, donc on ne peut rien casser, c'est cool. Il nous a demandé de reboucher quand même. Alors, là, il nous a demandé... Veuillez à reboucher le tunnel derrière le lit de cette cellule avant le... Ok. Il nous a pas dit de date, donc cool. Donc vous avez vu, je recommence un peu les maps aventure pour m'en mettre dans le bain au calme. T'as vu... Hop. Cool. Ouais. C'est pas de conneries quand même. Tu ne peux pas placer ou casser de blocs.
Tu ne peux pas prendre cette map au sérieux. Tu dois bien écouter ce qu'on te dit. Ne pas tricher, il n'y a aucun intérêt à ça. Have fun, retour. Ok. Alors, ça marche. Ok, bah c'est parti, les amis. Déportation dans 3, 2, 1, go. Et ma tête n'est pas aussi à prendre au sérieux, s'il vous plaît. Oh putain, j'ai pas fait attention. Ouais, j'ai cassé le truc Reston, mais bon, c'est pas grave. Alors, attention. Avec suspect, lentement de l'accueil chaleureux. Bonjour, tu es actuellement dans le laboratoire désaffecté, encore en service. Tu vas subir quelques tests, tu auras une petite surprise, mais. Mais d'abord, allume le courant. Disjoncteur. Bravo. Ah, je ne me suis pas présenté, je suis Claptrap, l'intelligence artificielle du labo. Comme je te le disais, tu vas devoir passer plusieurs tests pour pouvoir t'enfuir et... Oh putain. Et entre autres avoir une surprise, garde en tête que tu ne peux plus faire marche arrière quand tu seras prêt, passe ce portail, tu franchiras alors les frontières du skill, du fun et du troll. Bonne chance. Ça tombe bien, je m'appelle Skilltox. Bref, c'est parti. Ok. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans, non? Casquette swag, t-shirt de la police, pantalon triste swag, bottes en caoutchouc swag. Ok, il aime bien le swag lui. Non? Ok. Putain, j'ai l'oreille qui gratte, je dois avoir du popcorn dedans. C'est bien gore. C'est quoi ces boutons chelous là? Niveau 1, checkpoint. Alors. Note au maçon. Veuillez reboucher le tunnel derrière le lit de cette cellule avant le. Ok, j'ai pas déjà eu ça par hasard. Question. Niveau 1, checkpoint. Question. Ouais, mais en fait. J'ai pas compris! Ah ouais, c'est sympa, dis donc. Ah cool. J'ai pas compris mais bon. Oh, tu as retrouvé la réponse. Mais il n'y avait pas de question. Jump. Ouais. J'aime pas les jumps. Je suis comment moi? D'accord. Salut. 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 Salut, 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 salut. L'enculé. Ah ouais, mais en fait, non, c'est bien en fait. Genre, ouais, j'ai compris. Genre au cas où si on tombe, tu vois, on aurait pu aller. En fait, la sortie est en bas. Il fallait appuyer sur le bouton au-dessus de l'entrée du niveau. Ah, le fils de... Bravo, Rose, ça va, c'était une petite blague, t'es pas drôle, hein. Puis, de toute façon, t'étais prévenu, donc tu... ouais, en plus, j'ai appuyé sur tous les boutons, tu sais, et puis... Bah là c'était le bouton qui que j'ai pas appuyé, enfin bref, voilà. Droite ou gauche? Ouais. Je suis sûr il y aura de la lave de l'autre côté, ça pue. Bordel. Pour me faire pardonner? Attends. Les éthiques du prochain niveau. Ro, décidément, t'as pas d'humour. Non, il y avait pas de bon côté. Les deux te faisaient rôtir dans de la lave. Quoi, arrête de faire cette tête, tu t'en sors plutôt bien pour un grand brûlé. D'accord, j'arrête. C'est un enculé, en fait. Okay. Bon, y a rien de... Évidemment, ça, c'est des caméras, ça, c'est chelou. Trouve le bouton qui ouvre cette porte. Attends, je regarde, c'est parce que... Il n'y a pas moyen, il y a un coffre quelque part ou pas?
Et du papier partout. Ah, book. Non, putain, même pas. Ah, ok, d'accord, bon. Trouble le... Ouais, bon, ça, j'ai déjà fait. Bien joué, j'avoue que c'était pas si mal. Bon, arrête avec la déco, c'est beaucoup trop pénible à construire. J'aime ce genre de map, j'adore. Si vous avez à proposer aussi, au passage. Ah, fais pas attention à cette salle, les gens ne sont pas absolument des anciens employés qui ont tenté de me contrôler pour que je ne sois pas dangereux, absolument pas. Pour que je ne sois pas dangereux, absolument pas. Ok, ça pue la merde. Ne te retourne pas. Putain, l'enculé! Il m'a fait trop peur, tu sais. Ça s'appelle genre le gars qui veut te faire des tests, tu sais. Tu vas gentiment faire comme si tu n'avais rien vu et ne pas aller vers mon cœur. En échange, je t'offre la liberté. Ça marche? Je vais aller vers son cœur parce que je suis un connard. T'es porté à voir le cœur. Qu'est-ce que ça veut faire? Non, recule de ces boutons, ne touche à rien. Cher confrère scientifique, l'intelligence artificielle est devenue incontrôlable pour garantir la sécurité du centre et de ses employés, il doit être détruit. Vous trouvez les deux les étapes sur la tête. Étape 1, vous devez d'abord éteindre son système de refroidissement, il sera donc vulnérable aux explosions. Étape 2, allumer le système d'autodestruction, c'est un enjeu, mais c'est notre seule chance. Ok, bon, bah cool, j'espère que j'ai fait le. Je prends les boutons quand même au cas où. Vraiment hydraulique. Ah, tu crois sérieusement que tu vas réussir à me tuer en désactivant mon système sombre abruti. Eh oh! Ah oui. Oui. Allô? Attends, clic. Ah oui, clic. Non, non! C'est mieux avec des voix en fait, je pense. Ah cool, merci. Système d'intelligence artificiellement détruit. What? Putain, j'ai été téléporté limite. Ah, tu y avais vraiment cru, t'es vraiment trop naïf. Jamais je t'aurais laissé me tuer si fallait. Allez, dans la directrice de labo, voir Tonton Cortex et Papy Morseille. Ceci n'est pas un conduit d'ailleurs d'évacuation. Putain, mais j'adore cette pape! Elle est stylée, quoi. Accès ingénieur. Salle de claptrap. Oh merde. Vas-y, nique ta mère. Que quoi? Comment as-tu survécu? Enfin bref, nous sommes ici face à face. Prépare-toi à subir ma colère. Je suis invisible, moi. Arc. Unité détruite, laboratoire de nouveau sans danger. Ok! Merci d'avoir joué. Cette arme a été agréée par 10. La surprise se trouve à droite. I believe I can. Oh putain! Cette map, elle est géniale! Oh, j'ai kiffé, les gars! Oh, oh c'était énorme! Et moi, franchement, j'ai kiffé ces petites maps là sans prise de tête. Oh, j'aime. Par contre, c'est quoi ça? Ok. Oh putain les gars, j'ai trop kiffé, franchement c'est stylé à mort. Franchement. Putain, imaginez juste, en 3 jours le type il a fait ça quoi. Putain. Bon, pour le plaisir. La surprise, I believe I can fly. Énorme, énorme, j'adore. Bon, du coup, I believe I can fly, d'accord? Zen les gars. Bref les amis, j'espère que cette petite map aventure vous aura plu.
Pourquoi? Ok, bon bah excusez-moi, petite interruption de ma maman. Donc voilà, j'espère que cette petite map vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si vous en voulez plus. Une nouvelle série très prochaine que je vais commencer, je pense, après cet épisode. Pour l'histoire de changer un petit peu de thème de ma chaîne, va être fait. Ça va me demander un petit peu de temps, mais il y a moyen de faire un bon petit truc, quoi. Ça va être l'histoire aussi de passer sur des chaînes communautaires et puis de faire un petit peu reparler de ma communauté parce que j'étais un petit peu dans l'ombre il y a pas mal de temps. Donc voilà, j'espère que ça va être un projet qui va vous plaire. Et moi franchement je vais prendre beaucoup de plaisir. C'est un projet qui coûte rien, c'est juste comme ça. Ça sera un projet je pense avec plusieurs épisodes et puis qui pourront passer je pense sur des chaînes communautaires, ça vaudra le coup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. C'était Skittos, on se retrouve pour la prochaine fois. Peace.